Et voilà, je suis à Roubaix et je me rends au 106, au numéro 106, quai de Boulogne, chez Vinci Construction. C'est le gros bâtiment ici. Ouais, il y a peut-être encore d'autres bâtiments, mais moi c'est ici que je me rends. Voilà. Et bien voilà, donc je viens de finir le chargement de l'auto, donc avec le don que l'on a reçu de Vinci Construction. Je cite toujours Vinci, mais voilà, plus tard dans d'autres vidéos je serai peut-être plus précis, mais ici je parle de Vinci parce que voilà, ici sur le bâtiment c'est Vinci Construction. Donc on n'a pas su tout prendre à la base, je devais savoir tout prendre. Mais je suis arrivé et il y a eu des ajouts. Ben, c'est chouette, il y a eu des ajouts de matériel, de desktop, d'écran. Ce qui fait qu'au bout du compte, j'ai dû faire des choix. Mais voilà, je reviens quand même avec, avec un break Opel Insignia. On en met, vous savez, là-dedans. Voilà. Avec un beau lot. Maintenant, c'est du puzzle. Hein. C'est du puzzle. Voilà, que du HP, que du HP. Alors n'allez pas croire, oh, c'est du vieux matériel. Il y a quand même des machines qui sont de marque HP, modèle Elite 8300. Donc quand on parle du modèle 8300 Elite de chez HP, c'est un Intel Core i7 3770. Donc c'est du bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette société, en plus, ils travaillent avec des gros logiciels tels j'ai oublié moi. J'ai oublié. Enfin, ce sont des gros logiciels 3D. Donc, ce qui veut dire que pas toutes, mais les deux tiers des tours sont équipés de cartes graphiques professionnelles 3D. Donc, les fameuses Nvidia Quadro, maintenant peut-être des anciennes, hein, mais voilà, ils ont quand même des cartes graphiques Nvidia Quadro. Alors, je suis revenu avec une boîte de. Rempli de disques durs, ça on est toujours en manque. Priorité, normalement je vais prendre tous les écrans. Voilà, ben j'ai pas trop respecté, j'ai pris toutes les tours, j'ai achevé avec les écrans. Alors j'ai donc une boîte de disques durs, mémoire RAM, DDR1, ça c'est vieux, 2, 3. Et alors j'ai toute une caisse de docking station. Voilà, pour les laptops. Oui, des laptops, j'ai 10 laptops, marque HP. Oh là 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 là. Allez, à plus. Et bien voilà, on quitte Roubaix de France. Bien chargé. Ben voilà, c'est simple. Je crois que le conducteur, ben, son rétro central, il lui sert à rien. Vraiment pas. Non, il sert pas. Hein. Ben voilà, voilà, voilà. Et encore, on n'a pas su tout prendre. Mais c'est déjà très bien. Voilà, maintenant que je suis de retour en Belgique à la maison, que j'ai déchargé le break Opel Insignia, on en met là-dedans, vous allez voir, je suis sûr, hein, qu'en voyant ce qui va suivre, vous allez vous dire c'est pas possible, il monte plus que ce qu'il y avait dans l'auto. Eh bien non. Regardez, voici les docking stations pour les ordinateurs portables avec les blocs d'alimentation que l'on branche au docking station. Nous avons toute une boîte de câbles RJ45, VGA, DVI. Attendez, c'est pas fini. Nous avons ici trois boîtes de disques durs, essentiellement du 3,5, hein, faible capacité, 250, 500, mais toujours en 7200 tours. Ou alors nous avons des 2,5. Là, des faibles capacités, des 5400 tours. Mais voilà, les 3,5-7200 tours, même si c'est de faible capacité, c'est nickel. On est toujours en manque de disques durs. C'est pas tout. Une première série de laptop HP EliteBook de 15,6 pouces.
On continue avec les laptops, donc toujours des HP, principalement modèle EliteBook. Ceux du dessous, on est en 15,6 pouces, les deux au-dessus, on est en 14 pouces. Alors attention, je vous montre la suite. Nous avons des écrans. Oh, voilà. C'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. En desktop, que du HP. Nous avons des workstations Z200, Z210, Z220. Tous les desktops HP modèle Z, donc les Z200, 210, 220, tournent avec du Xeon. Oui, tous, tous, tous. Génial, hein? Et puis après, on continue. Nous avons du HP Compact 6000 Pro. OK. Nous avons quoi? Nous avons toujours du HP Workstation XW4 400. Voilà. Et alors, on continue avec les mini towers. Cela va. Donc, toujours en marque HP, hein, de modèle Elite, hein, 8000, 8100, 8200, 8300, si je ne me trompe pas, ok? Je vais pas regarder en détail, vite fait. Alors en gros, eh bien, dans le break là, je vous montre, voilà ce qu'il y avait dedans. Et attention, maintenant vous allez vous rendre compte de tout ce qu'il y avait dans le break. Voilà, et je n'ai pas su tout prendre. Il y a encore, mais je vais y retourner, je vais y retourner. Je suis en mesure de vous donner les modèles exacts. Donc, marque qu'on connaît, c'est HP. En portable, nous avons des EliteBook 8530p, 8540p, 8440p. Nous avons des NC 8430, des 8510p, des 8560p. Alors en desktop, donc nous avons des Compaq DC 5800, des Compaq 6000 Pro, 6200 Pro, Elite 8300, Elite Desk 800 G1, donc des Compaq 8005, des XW 4004, des Z200, Z210 et des Z220. Voilà, comme ça vous savez.